Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le kit exclusif et le kit surprise, hein, c'est un peu comme vous voulez. Donc je vais sortir ce mois-ci donc pour ma boutique donc les kits de Corinne, dont je vous mets bien entendu le lien en barre d'infos. Alors c'est un kit que j'avais envie de faire parce que j'adore cette marque, j'adore les papiers, j'adore tout ce qui va avec. Donc, mais bon, j'ai pas su l'avoir en grande quantité, donc c'est pour ça qu'il va être en quantité vraiment limitée. Donc, les premières arrivées seront les premières servies. Voilà, donc c'est pas un kit mensuel, celui-là, je l'intègre dans ma boutique, voilà, comme ça, parce que j'avais envie de le faire avec ces papiers. Donc, je vous laisse le découvrir. Donc, c'est un kit, le kit, c'est avec la collection de papiers. Donc de chez Shoe and Flower, donc c'est la collection signature carte postale. Voilà, donc j'adore sur le thème de la mer, hein, donc j'adore. Franchement, il est super beau et j'avais envie donc d'en faire un kit. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc je vais d'abord vous présenter les papiers. Alors c'est un kit qui sera au format A4. Donc les papiers sont en A4. Voilà, alors les papiers, donc je vous les montre. Donc vous avez là le premier papier qui est celui-ci. Ouais. Celui-ci, donc c'est dans les teintes craft bleu. Vous avez appelé différentes tonalités de bleu, bleu mint, bleu plus foncé. Voilà. Ici, vous avez les petites étiquettes à découper. L'autre côté comme ça. Vous voyez, c'est un peu. Il y a des dégradés de bleu dans les papiers. Donc je trouve ça très très joli. Celui-là. Celui-ci. Et vous avez celui-là. Donc le papier, il est légèrement glacé. Donc c'est un chouette rendu. Alors celle-ci, elle est magnifique avec les fleurs et les enveloppes. Je trouve ça très très joli. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers. Donc avec ces papiers-là, donc je mets donc 3 papiers en format 30-30. Donc ce sont des basiles, hein. Donc là, je mets donc une couleur craft. Une couleur mint et un vert un peu plus foncé, disons, pour faire comme sur le dégradé des papiers. Donc ça se marie très bien ensemble. Je vais essayer de vous montrer une feuille. C'est pas sur celle-là. Donc là déjà il y a les verts comme ça. Voilà. Donc on voit les différentes touches de vert et de bleu. Donc voilà, j'avais envie que ça ressorte un petit peu avec des papiers pas trop fades au niveau couleur. Donc voilà. Donc il y aura donc les papiers de la collection. Vous aurez donc 3 papiers en A4 en 30-30. Je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Comme ça, vous voyez bien ce qu'il y a dans le kit. Voilà. Hop, je prends ça. Voilà, comme ça on voit bien le nom. Et je ne suis pas dans le champ, donc je vais vous montrer ça. Comme ça on voit mieux, peut-être. Voilà. Donc, avec ça, donc bien sûr, je vais vous mettre tout un tas d'embellissements. Mais pas que, il y aura avec le kit ici un tampon de la marque. Voilà, donc c'est ce tampon-ci, donc de la collection. Donc c'est un fond pour faire un fond avec des poissons. Voilà, je trouvais trop mignon. Donc j'avais envie de rajouter un tampon avec cette collection, hein, pour vous gâter un petit peu. Donc avec le tampon là, donc vous aurez des petits tags. Là, je vous mets 3 petits tags en craft. Voilà, je les mets là, ça vous voyez bien. Donc, je vais les mettre. Ouais. Je vais faire ça comme ça. Voilà, donc les 3 tags. Ensuite, il y aura une petite fleur en résine dans les tons de la collection. Bon, je vais coller dessus comme ça parce qu'elle est autocollante. Donc, du coup,
Je la collerai sur le petit plastique du... sur l'emballage du tampon. Alors, vous aurez un mot en bois. Donc, bord de mer. Comme ceci. Donc là, je trouve très très joli aussi celui-là. Voilà. Alors, vous aurez les napperons, hein, comme d'habitude. Donc, les trois napperons. Voilà. Vous aurez un pompon de couleur craft, hein, comme, comme la collection. Donc, toujours, toujours assorti. Vous aurez un morceau de corde de lin. Hop. Pour faire fermeture ou autre chose, hein, ou des petits nœuds ou ce que vous voulez. Donc voilà, comme c'était un kit avec du craft dedans, les couleurs un peu neutres, je voulais vous mettre une corde de lin. Alors, je vous ai mis des petites fleurs, hein, comme d'habitude. Là, vous avez un mélange de Prima et autres. Alors, vous en avez, je vous montre, hein, les petites fleurs avec les petites perles au milieu. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la série de fleurs que vous aurez avec une plus grosse ici. Voilà. Je vous les mets là, comme ça. Hop. Vous verrez bien tout ce qu'il y a dans le kit. Voilà. Et ensuite, des petites résines et des petites perles, hein, comme d'habitude. Une fleur en résine comme ceci. Une autre plus petite, comme ça. Alors, donc, les petites perles. C'est des petites perles comme je mets d'habitude, hein, voilà. Des petites perles non nacrées. Une petite breloque encre marine en métal. Et vous allez avoir des pistils dans les tons bleus, un petit peu givrés comme ça. Voilà. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Donc ça, c'est la composition donc de mon kit. Donc j'espère qu'il vous plaît. Vous me direz en commentaire. Bon, maintenant, je pense pas savoir en rééditer, hein, ça. Donc maintenant, je poserai quand même la question, je me renseignerai. Mais bon, donc il est en quantité limitée. Donc son prix, donc il est toujours, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours des prix de 20 euros. Paiement donc par PayPal ou carte bancaire, donc sur mon site, sur ma boutique, il n'y a pas de souci. Livraison par Mondial Relais, par contre, hein, donc pour éviter les gros frais de livraison. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mets mon mail en barre d'infos également, par message ni via Facebook, hein, si vous n'arrivez pas à me joindre autrement. Et si vous avez toute autre question, vous pouvez toujours me les laisser également en commentaire sous la vidéo. Voilà. Donc j'ai tout dit. Donc je reviendrai donc prochainement donc en vidéo donc pour vous montrer mes autres achats et voilà, et peut-être quelques petites créas. Voilà, donc en attendant, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.